je fais partie des premières patriotes. Quand on a dit que les gens ont créé les patriotes à Paris, c'est moi qui appelle les Amos, j'appelle les Amer Kamer. La réunion, je finis de préparer. Oui. J'avais même fait les feuilles de manioc à la sardine, puisqu'on nous appelait les sardinats à l'époque. Nyang, on a enlevé son pied là-dedans parce que les gens ont commencé à aller au Cameroun prendre les millions là-bas, l'argent là-bas et tout. J'ai d'abord enlevé mon pied parce que je ne veux pas entendre. Parce que ça a commencé que wow, la fille Nangala. Parce que quand on me voit faire là, on ne voit pas que je suis Nangala. Mais c'est quand ça va péter qu'on va prendre le nom de tout mon département, on va mettre dedans que la fille Nangala. Mais t'arrêtez. La fille de mon père. Je ne veux pas entendre mon nom dans un scandale et tout, parce que sur les réseaux sociaux, je suis la seule blogueuse Nanga. Connaissons ce qu'il y a, ce qui se passe dans notre pays. Je ne veux pas entendre, parce qu'il y a des gens qui disent, nani, babu, c'est monté, c'est descendu. Je ne veux pas. Je suis Coco Lago. Quand on me cherche dehors. Il y a même les gens là qu'ils entendent seulement que Coco Lago, ils ne savent pas que c'est Marie, reine. Excusez-moi, je ne me suis pas maquillée. Là, c'est tout part, c'est la guerre. J'ai mis le bebe la bé, mais t'as mis ensemble. Voilà. Donc, je suis dehors pour réclamer mes choses-là. En tant que Nyangono Marie-Ren, alias Coco Lago. Je vais vous dire que même les gens de ma propre famille, ils ne savaient pas que c'était moi. Oui, et je n'appelle personne. Oui, je n'appelle pas. Parce que je marche dehors, là, je suis seule. Quand je pars croiser les bandits ou bien je pars commencer quelque chose, je commence seule. Je n'ai pas commencé que parce que je suis une fille Nanga ou bien parce que j'ai la famille. Non. Je commence seule. Oui. Donc, quand j'ai commencé cette histoire des patriotes, hein, quand les gars l'ont publié un tiroir. Dans le tiroir, il y avait les coupes cigares, il y avait les préservatifs, il y avait les briquets, il y avait les choses et tout. Ils sont allés prendre une image dans un site d'un gars qui fait des voyages. Ils sont venus publier, ils ont dit que c'était Monsieur Vondayolo. Je n'ai pas dormi. Ceux qui me connaissent, j'avais les poches ici comme ça. J'ai fouillé cette image partout. C'est moi qui a découvert cette image. Et j'ai envoyé Hervé Parfum Bapou qui est là, qui est connecté, qui est mon petit frère. C'est moi qui ai découvert cette image, qu'on mentait que c'était le bureau de l'ancien ambassadeur du Cameroun à Paris, son excellence Monsieur Vondayolo. C'est moi, Nyangoron, qui a retrouvé cette image, parce que moi, sur Internet, je suis très fort. Si je me mets à fouiller, je vais trouver. C'est moi qui a retrouvé cette image. Et j'ai fait un post pour démentir. C'est moi qui ai démenti. Vous m'avez vu aller demander quelque chose que, oui, c'est moi qui ai trouvé cette image, c'est moi qui ai machin, et ne dors pas dans la nuit, donnez-moi l'argent et tout, jamais. Quand les gens ont commencé à aller, et tout, les Marie-Paul-Paul, les machins, les trucs et tout, les clashs, à les enregistrer, les enregistrements et tout, que tu parles, que quand t'as déjà enregistré, parce qu'on va envoyer là-bas, parce qu'on va demander l'argent et tout, Nyang, on a d'abord enlevé son pied là-dedans. Je me suis concentrée dans ma cuisine. Et oui. Ça, je le dis aujourd'hui, mais ma famille n'était pas au courant. Aujourd'hui, ma famille est au courant. Aujourd'hui, ils le savent. Moi, je mène mes combats. Je ne veux pas entendre mon nom dans la saleté. Je ne veux pas. Oui. Moi, je suis digne. J'ai été élevée par les hommes d'honneur. Et je n'aime pas le faux. Oui, c'est pour ça que quand j'entre en guerre, comme je suis en guerre avec Lady là, elle ne comprend pas. Ma soeur, tu sais qui était mon parent au Cameroun? Tu sais où j'ai grandi? Tu sais qui était mon père? Hein? Un guerrier. Sa mère est morte quand il est venu au monde. Il s'est fait tout seul. Il entrait partout dans tout le Cameroun et dans tout le département de la Haute-Sénégal. Mon père est respecté. Jamais quelqu'un te dira du mal. Tous les grands de la Haute-Sénégal, tous les papas, tout le monde, c'était le frère de tout le monde. C'est pour ça que moi, même quand je croise une fille, hein, qu'on soit parenté ou pas, pour moi, c'est ma cousine. Moi, je suis comme ça. Dès que je vois une fille, non, c'est ma cousine. C'est ma cousine. Vous allez voir, elles font les témoignages là que oui, je suis la cousine. C'est déjà ma cousine. Oui. L'autre est d'un côté, moi, je suis de Minta. Mais elle va dire qu'elle est ma cousine. C'est parce que moi-même, moi, je vois tout Nanga. Tout Nanga est beaucoup pour moi. Tous les papas de Nanga sont mes papas. Toutes les filles sont mes cousines. Parce que mon père même était comme ça. On l'appelait business. C'est un monsieur qui achetait le café, le cacao partout. Dans tout le département. Donc tout le monde était son frère. Tous les enfants étaient ses enfants. C'est ce que moi aussi j'ai pris de mon père, que dès que je vois Nanga, pour moi, dès que je vois un gars Nanga, mais comment que le nom de ta femme est que est, mais comment, hein? Mais oui, mais bien sûr, mais c'est ma famille.
me voilà. Même si ça me cause du tort, je m'en fous. Mais je suis comme ça. Ce n'est pas à mon âge maintenant que 48 ans qu'il va changer. D'accord? Donc, on ne peut pas tuer un Nanga devant moi. Donc, ne pense pas que toi, tu vas te lever, tu dis que tu veux me tuer moi. Même si elle ne dit pas qui je suis, après on saura que c'est moi. Elle va arracher le pouvoir avec la force. Et dans le pouvoir qu'elle est là, elle a quelqu'un qui est de l'autre côté qui est là. Donc, elle, ses rêves, c'est qu'elle va devenir première dame du Cameroun. Et on m'a mis Pima. On va voir dans quel Cameroun, toi, tu peux devenir première dame. Ou bien que tu peux continuer à manipuler.